Or not to be. Être ou ne pas être, telle est la question. Être ou ne pas être cosmonaute, mécanicien, femme de ménage. Être ou ne pas être chrétien. Ah, ça, c'est intéressant. Être ou ne pas être chrétien, c'est la question que nous allons nous poser dans cette émission. Le christianisme existe depuis près de 2000 ans. Alors ne vous en faites pas, on n'a pas du tout la prétention ici de faire le bilan de l'histoire de l'Église ni de comprendre la raison de la déchristianisation de l'Europe. Mais on s'est simplement demandé ce que voulait dire être chrétien aujourd'hui. Si quelqu'un dans la rue venait vous demander conseil, que faire pour être un bon chrétien? Que lui diriez-vous? Et comment se fait-il qu'un aussi petit groupe, une centaine de personnes, appelées chrétiens, ont réussi à marquer autant profondément notre culture occidentale? Mais avant toute chose, nous allons nous amuser quelque peu avec les idées préconçues que nous avons à ce sujet. Vous êtes bien amusés, nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. Être ou ne pas être chrétien? Y a-t-il des choses à faire ou alors à ne pas faire pour être chrétien? Est-ce un état d'esprit ou quelque chose de culturel? Question difficile. Mais à ce propos, est-ce une réflexion récente ou une question que l'on s'est posée depuis toujours? Pour le savoir, nous sommes allés voir un spécialiste, Éric Junot, professeur de l'histoire du christianisme à l'Université de Lausanne. Pour parler du christianisme, rien de tel qu'un petit bain dans l'histoire. À ses origines, le christianisme était composé d'un petit groupe de quelques centaines d'individus aux exigences morales et sociales si élevées qu'il aurait été pratiquement impensable d'imaginer qu'un groupement aussi tranché devienne un jour majoritaire. Aujourd'hui, 2000 ans plus tard, un tiers de la population mondiale se réclame du christianisme, qui est considéré par ailleurs comme une religion culturelle. Pour en arriver là, son histoire a connu un déroulement assez exceptionnel, mais revenons sur ses premiers rebondissements. Le christianisme devient une religion culturelle progressivement. Parce qu'il a le souci de s'intégrer dans la société et qu'il va utiliser le langage de la société, les références culturelles de la société. Et ça, on peut dire que ça se marque très fortement dès les années 150. Mais il reste minoritaire, il reste une religion dont on ne sait pas très bien ce qu'elle est et qui n'intéresse pas beaucoup les classes les plus cultivées. Le grand changement se fera à l'époque de Constantin, c'est-à-dire au début du IVe siècle, dans les années 300. Le IVe siècle, de 300 à 400, sera la grande mutation pour le christianisme, qui devient une religion reconnue, une religion à laquelle l'empereur adhère. Et dès le moment où l'empereur adhère, ça devient la religion favorisée par le pouvoir. Et à la fin du IVe siècle, il y a un pas supplémentaire, c'est que ça devient la religion officielle. Que les autres religions, les religions païennes notamment, deviennent persécutées. Et là, on peut dire qu'alors on est dans une religion tout à fait culturelle. Voici quelques dates marquant les étapes de l'évolution du christianisme vers une religion culturelle. Aux environs de l'an 33, une communauté dissidente dans le judaïsme voit le jour. Elle se réclame de Jésus de Nazareth, c'est le début du christianisme, les premiers chrétiens. En l'an 70, le temple de Jérusalem est détruit par Titus. Cette date marque la rupture du christianisme et du judaïsme. Aux environs de 150, le christianisme commence à se présenter comme une religion à part entière ou comme une philosophie.
Au début du IVe siècle, l'empereur Constantin se convertit au christianisme, qui devient du coup une religion reconnue par l'Empire romain. À la fin du IVe siècle, le christianisme devient la religion officielle de l'Empire romain. Dès ce moment, on cesse de persécuter les chrétiens pour se mettre à persécuter les païens. En 476, c'est la chute de l'Empire romain d'Occident. Peu à peu, le christianisme devient une religion d'État. À l'origine, on ne naît pas chrétien, on le devient. Et cette fameuse phrase, on ne naît pas chrétien, on le devient, sera affirmée par un théologien, Tertullien, dans les années 200. Donc, ce qui montre qu'il y a toujours eu cette volonté dans le christianisme que l'adhésion au christianisme repose sur un choix, soit l'objet d'une décision individuelle. Maintenant, l'insistance à le répéter montre que c'est pas le cas, qu'il y a beaucoup de gens qui sont chrétiens parce que leurs parents le sont. Depuis Tertullien, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Petit tour d'horizon de l'état des religions dans le monde. La planète compte aujourd'hui 1,8 milliard de chrétiens, dont 1 milliard de catholiques, 600 millions de protestants, 200 millions d'orthodoxes, 1,5 milliard de musulmans, 1 milliard d'athées ou de sans-religion, 800 millions d'hindous, 600 millions de bouddhistes. Les chrétiens représentent donc un tiers de la population mondiale. La plus grande croissance religieuse est celle des musulmans, qui ne représentaient que 12% de la population mondiale en 1900, contre 25% actuellement. Actuellement en Europe, on a le sentiment de naître et de grandir dans une culture chrétienne et d'avoir par la suite le choix d'adhérer ou non à ses valeurs. Car si au début la religion chrétienne était une religion de choix, on constate que maintenant, on choisit plus de démissionner de l'Église que d'y entrer. Et pour avoir une idée un peu plus précise du sentiment général, nous sommes allés dans la rue demander aux gens ce que signifiait pour eux être chrétien. Depuis les années 70, on assiste à un véritable virage religieux en Europe, puisqu'on passe d'un christianisme majoritaire et marquant à un christianisme minoritaire. Ce changement est assez spectaculaire. Même si 80% des Suisses appartiennent à une confession chrétienne, c'est l'implication de cette confession dans la vie de tous les jours qui devient minoritaire. Mais voici quelques chiffres pour illustrer ce virage. En Suisse, en 1960, environ un chrétien sur quatre se disait non pratiquant. En l'an 2000, il a doublé et passe à 1 sur 2. Un Suisse sur deux ne met jamais les pieds à l'église. En 1900, un Suisse sur 10 se disait non chrétien. Ce chiffre a doublé pour passer à 1 Suisse sur 5 en l'an 2000. Par comparaison, un Français sur deux se dit aujourd'hui sans religion. Ils étaient 1 sur 10 en 1970. Cette tendance se retrouve aussi sur la baisse des vocations pour devenir prêtre. La France a connu une baisse de 25% du nombre des vocations entre 1990 et 2000. En Suisse, il n'y a eu aucune candidature romande dans un séminaire catholique à la rentrée 2002. Dans ce grand tournant religieux, nous nous sommes posé la question de savoir quel sens le mot chrétien a-t-il encore aujourd'hui? Qu'est-ce que cela veut dire? Et plus concrètement, si quelqu'un s'approchait de vous et vous demandait un conseil afin de devenir un bon chrétien, lequel lui donneriez-vous? Pour le savoir, nous sommes allés poser ces deux questions à quelques personnes. Croire en Dieu, peut-être en une vie après, en le pardon ou en... Je sais pas, croire qu'on est ici pour quelque chose et que quelqu'un, quelque part, nous a placés ici. Peut-être. C'est avoir une croyance, être chrétien. Moi, je sais pas parce que je suis athée, donc je peux pas trop vous répondre à vos questions. La loyauté envers les autres, moi, c'est ça, être chrétien. Savoir où se situe le bien et le mal. Croire en Dieu, en la résurrection de Jésus et le fait que Jésus-Christ nous a sauvés. Pour moi, maintenant, ça signifie croire en quelque chose, une force supérieure, mais que à laquelle je ne mettrai pas de nom. C'est, je sais pas, une façon de vivre. C'est des coutumes plutôt, je sais pas. Je pense que c'est pas nécessaire d'aller à l'église pour être chrétien. Ah, j'essayerais de demander dans mon entourage si quelqu'un connaît, je sais pas, un pasteur ou un prêtre qui est bon, entre guillemets, ou qui est intéressant, et est-ce qu'il peut m'expliquer comment lui voit ça, ou je sais pas. Ben, si vous voulez vraiment être croyant, il faut déjà lire la Bible, sinon... Je sais pas, j'ai pas d'autres conseils non plus. Croyez en vous-même. Aimer son prochain. S'approcher des catholiques ou des protestants ou bien d'un milieu qui peut nous aider à ce niveau. Il n'est donc pas si facile de donner une réponse claire ou un conseil pertinent. Nous avons donc rencontré un homme d'église qui nous donne sa propre définition. Le mot chrétien, en fait, c'est un sobriquet qu'on a donné assez au début de l'histoire de l'église pour appeler ceux qui suivaient le Christ. On pourrait dire que les chrétiens, c'est des petits Christ, des gens qui vont chercher à vivre selon le modèle que Jésus leur a laissé, à laisser aussi Jésus en eux s'exprimer.
c'est pas avant tout quelqu'un qui a une bonne morale, parce que il y a des gens qui sont pas du tout chrétiens, qui ont une vie moralement relativement assez exemplaire. C'est quelqu'un qui est rentré en relation intime avec Jésus, qui le considère comme son proche. Et quand on a un ami, on cherche à lui faire plaisir, on cherche à connaître son cœur, les désirs de son cœur, on cherche à vivre près de lui et près de ses préoccupations. Si chacun peut donner sa propre vision de la manière d'être chrétien, sachez qu'en l'an 325, une réunion des responsables chrétiens de l'époque s'est tenue à Nicée, dans l'actuelle Turquie, bien avant la séparation du christianisme en différentes confessions. On l'a appelé le Concile de Nicée. Les chrétiens ont résumé leur croyance en une déclaration de quelques lignes que l'on appelle le credo. On la connaît également sous une forme un peu plus détaillée, le symbole des apôtres. Ces confessions de foi sont fréquemment chantées dans les églises. En fonction de ce credo, on peut donc esquisser une définition du chrétien comme une personne qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, une personne qui croit que Dieu parle au travers de la Bible et essaye de vivre selon ses conseils, une personne qui croit à la résurrection plutôt qu'à la réincarnation, une personne qui reconnaît le bien fondé de l'Église, une personne qui croit que le message de Christ est libérateur pour l'homme et agit en conséquence. Alors je crois qu'il y a une chose importante à réaliser, qu'on entend assez peu souvent, c'est que être chrétien, c'est un choix personnel. On ne naît pas chrétien, on le devient. Donc c'est pas même parce que je crois peut-être à l'existence de Dieu que je suis chrétien, c'est que j'ai fait une démarche de vouloir suivre Jésus, de lui donner ma vie, de le laisser entrer dans ma vie. Tous les historiens et théologiens le constatent, le christianisme est et reste une religion de choix. Mais avec le déroulement de l'histoire et l'ascension du christianisme au rang de religion d'État, cette notion de choix est devenue moins évidente. Nous trouvons un exemple marquant de cette évolution sous la cathédrale Saint-Pierre de Genève. Lors des fouilles archéologiques entreprises il y a quelques années, un baptistère du IVe siècle a été découvert. L'intérêt de ce baptistère est que sa taille a suivi l'évolution des mœurs. Et là, je me trouve devant un baptistère du IVe siècle, qui est un baptistère très intéressant. D'après les spécialistes, ce baptistère octogonal était un baptistère plus large que ce que vous voyez aujourd'hui. En effet, il s'agissait en fait, on pourrait dire, d'une piscine dans laquelle on plongeait les personnes qui, de cette manière-là, marquaient leur adhésion à Jésus-Christ. C'est à l'époque de Charlemagne que ce baptistère a le plus rétréci. À cette époque, le choix a été relégué au second plan, puisqu'on imposait le christianisme comme une religion d'État. Ce baptistère, en forme de piscine, s'est transformé en une simple cuve pour des raisons de commodité, puisque les gens se faisaient baptiser en masse. On réalise donc que depuis cette époque, le choix dans le christianisme n'est plus aussi évident. Quand devient-on chrétien ? À la naissance, au baptême, lors d'une confirmation ou autre événement religieux ? Mais en fait, peu importe les rites, puisqu'ils ne sont là que pour nous aider à faire un choix personnel. Devenir chrétien, c'est aussi vivre ce qu'on appelle une conversion. Donc conversion, on l'entend souvent dans le fait de changer de religion ou d'adhérer à un groupe religieux particulier. Ce n'est pas forcément ce sens-là que j'aimerais qu'on retienne. Conversion, c'est changer de direction, c'est choisir une nouvelle destination. Comme dans une gare, je peux avoir choisi d'aller à Paris et puis finalement je choisis d'aller à Genève. Je change de destination, je change de direction. En l'occurrence, là, ma destination, c'est suivre Jésus. Alors, au niveau de la conversion, il y a différents types de conversions. Il y a les conversions assez marquantes et formidables. Par exemple, dans la Bible, il y a l'histoire de l'apôtre Paul qui persécutait les chrétiens, qui ne rêvait qu'une seule chose, c'était de les mettre à mort. Et puis, finalement, il va rencontrer Jésus et sa vie va être complètement bouleversée, sa vie complètement transformée. Il y a d'autres conversions qui sont beaucoup plus lentes ou moins fracassantes, moins magistrales. Il y a des gens déjà qui croient en l'existence de Dieu et un jour qui font le choix non seulement de croire en l'existence de Dieu, mais de lui faire confiance et de donner leur vie à Jésus et de le suivre. Bien que faisant partie du vocabulaire chrétien, le mot conversion peut faire peur aujourd'hui. Ce phénomène est pourtant très connu des psychologues et spécialistes des religions. Un scientifique nous donne un aperçu des différentes recherches qui ont été faites sur le sujet et nous explique le phénomène. Quelqu'un qui se convertit, c'est quelqu'un qui change de manière de voir le monde, c'est quelqu'un qui change de groupe d'appartenance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous voulez vous convertir au judaïsme, il ne suffit pas de lire la Torah ou de pratiquer le sabbat, il faut aussi intégrer un groupe, une synagogue, et être accepté d'une communauté. Traditionnellement, on a circonscrit le terme de conversion à un changement de religion. Mais on peut absolument assister à un changement d'option politique, donc on peut parler de conversion politique,
surtout comme on peut parler de conversion scientifique, c'est-à-dire on se rallie à un autre point de vue dans le champ de la science ou en philosophie. Ce qui se passe au niveau personnel lors d'une conversion, c'est qu'une personne perçoit la réalité d'une manière complètement différente. Ce qui était important auparavant pour elle n'est plus si important, et inversement, les choses qui n'étaient pas si importantes le deviennent. Les conversions peuvent arriver lorsqu'il y a un changement drastique au niveau de l'environnement social de la personne ou au niveau de son parcours de vie. On peut penser à un deuil, on peut penser à un déménagement, vous changez de pays, vous changez de milieu social et vous vous rendez compte que le point de vue que vous aviez adopté avant n'était pas si pertinent que celui auquel vous êtes confronté maintenant. Et donc, vous vous convertissez. La conversion n'est pas uniquement rapide. Ce sont des phénomènes marginaux. On peut imaginer une personne qui se convertit sur plusieurs années. D'ailleurs, c'est le cas chez les catholiques. Beaucoup de gens passent par le catéchisme et ce n'est qu'au moment soit de la confirmation, soit bien plus tard, que ces gens font vraiment une démarche intérieure qu'on pourrait dire subjective. Il n'y a pas besoin de passer par une crise existentielle pour se convertir. On peut simplement se rendre compte que notre point de vue sur la réalité n'est pas si pertinent que ça. Mais comment discerner d'une véritable conversion ou d'un moment d'émotionnalisme? On assiste par exemple à une manifestation et on se sent emporté par la foule. Tout simplement parce que après un moment d'émotionnalisme, on n'a pas changé sa façon de voir le monde. On continue à penser dans le même cadre de pensée et on continue à appartenir au même groupe. On associe souvent conversion à quelque chose de péjoratif et on a l'impression que les gens se sont fait avoir. On parle de manipulation. Il faut savoir que c'est un battage médiatique, cette idée de manipulation mentale. Il n'y a pas de sociologue, d'anthropologue de la religion sérieux qui adhère à la thèse de la manipulation mentale. Je vais vous dire une chose, s'il était si facile que cela de manipuler une personne pour qu'elle se convertisse, tous les jours, nous opérerions une multitude de conversions. Et si c'est facile de manipuler quelqu'un pour le convertir, alors c'est tout aussi facile de le manipuler pour le déconvertir. Nous ne sommes pas de la pâte à modeler que l'on peut modeler à soi. Nous voilà un peu plus au clair au sujet de la conversion. Et pour comprendre encore plus ce que signifie être chrétien aujourd'hui, nous sommes allés rencontrer quelqu'un qui n'a pas peur d'afficher ses convictions. La Coupe du monde de foot 2002, ça vous dit quelque chose? Elle a eu lieu au Japon et en Corée, et les champions du monde étaient l'équipe du Brésil. Nous sommes allés rencontrer un de ses joueurs, Edmilson. C'était un arrière et en plus, il a marqué un but durant cette Coupe du Monde. Pas mal, non? C'est fini! C'est fini! Victoire donc du Brésil! Ils sont en train de prier, donc visiblement. Ouais, c'est, l'image est forte. Très, très forte image. Parce qu'ils sont tous là, tout le staff, tous les joueurs, les remplaçants. Je crois qu'ils remerciaient Dieu tout simplement. On a vu pendant la Coupe du Monde de football, c'est que le Brésil a gagné, mais après, vous étiez parmi ceux qui avaient un t-shirt Jésus et on a vu l'équipe prier. Comment ça se fait ça? Au Brésil, c'est normal. Avant et après chaque match, il fait la prière. Tous ensemble, tous les joueurs, tous les staffs, toutes les personnes qui travaillent avec le club, avec l'équipe du Brésil. Oui, mais avant, il y avait peut-être de la prière, mais là, ce coup-ci, vous avez quand même montré. Ce qui est nouveau, c'est qu'il y avait des t-shirts que vous avez montrés, clairement affichés votre foi. Oui, ça, c'est une expression de démontrer au monde entier, parce que quand arrive la Coupe du Monde, quand arrive une finale, presque tout le monde s'arrête pour regarder ça. Ça, c'est une opportunité que le Seigneur nous a donnée pour parler de l'amour de Jésus-Christ, pour parler par rapport à la foi. Vous avez été qu'une attaque et finalement, Edmilson, Roque Junior. Et comment vous avez trouvé la foi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des déclics ou c'est venu comme ça? Je suis né dans une famille catholique. Hein. Mon père nous emmenait toujours à l'église, la messe. J'ai fait le catéchisme, j'ai fait tout ce que l'Église catholique m'a demandé à faire. Mais ça n'a rien changé ma vie. Ça. J'ai toujours une soif de Dieu, de trouver Dieu. Un jour, j'ai sorti de la maison pour jouer le foot.
J'ai commencé à marcher avec un ami qui jouait au foot avec moi. Et lui a commencé à me parler de Dieu. J'ai dit, je connais Dieu déjà. Je vais toujours à l'église catholique. J'ai pris 50 fois, 100 fois le Père Notre. Mais ça, c'est rien changé. Mon père toujours malheureux. Ma mère aussi, ma famille n'est pas très bien. Lui m'a dit, vous avez besoin de pas seulement parler, écouter, vous avez besoin de marcher avec Jésus-Christ. Il va changer ta vie. J'ai commencé à marcher pas seulement avec lui, parce qu'il m'a aidé beaucoup au début, parce qu'avant je ne connaissais rien. Il a commencé à me démontrer des dons de la Bible, que nous sommes pécheurs, nous avons besoin de donner notre vie à Jésus-Christ. J'ai commencé à parler de beaucoup de choses et après, j'ai commencé à grandir avec Jésus, avec le Saint-Esprit. Et Dieu m'a donné des bonnes choses. Ouais, mais c'est pas un peu facile de dire quand on est célèbre, qu'on a une star, avec Dieu, tout va bien? Non, des fois quand je vais à l'église de donner mon témoignage, des gens disent « Ah, c'est facile pour lui, hein. » Je connais beaucoup de gens qui sont pauvres, je connais beaucoup de gens qui sont riches. Mais je pense que la personne qui sont riches, des fois, sont pauvres, parce que des agents ne sont pas heureux. Comprends? Je pense que des gens qui sont pauvres, ils sont riches parce qu'ils sont heureux, sont avec Dieu. On a donc sa nouvelle coupe de cheveux, la Coupe du Monde, Marcos, qui l'a bien gagné lui aussi. Totalement. Et puis pour revenir à la finale de la Coupe du Monde du Brésil, à la prochaine finale, vous reporterez des t-shirts? Ouais, j'espère, hein, parce que vient de sortir une nouvelle loi. Après la Coupe du Monde, la FIFA elle a dit que c'est interdit de faire quelques manifestations religieuses. Mais je pense que le Seigneur Jésus va nous donner des directions pour nous glorifier le nom de lui. Je pense que même si le petit choix ne va pas arriver, je pense que le Seigneur m'a donné autre chose, une casquette, je ne sais pas, un drapeau, je ne sais pas. On arrive maintenant à la fin de notre émission. Comme vous l'avez vu, tout est question de conviction. Yes! À bientôt!